Targi przedsiębiorczości Entrepreneur w Brukseli. A oto Thomas Verdier-Fuentes, dyplomowany inżynier z francuskiego miasta Lille. Jego specjalizacją jest przedsiębiorczość. Te targi to ukoronowanie jego stażu w ramach programu wymiany Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Obok niego Thierry van den Broek, dyrektor przyjmującego go stowarzyszenia POSECO. Ale cofnijmy się o kilka miesięcy w przeszłość. Notre ASBL, qui s'appelle aussi Centre d'information pour une économie positive, en fait fait la promotion de tout ce qui peut dans l'économie apporter une contribution à la société. Donc ça peut être des concepts comme le commerce équitable, les investissements éthiques, la construction écologique, le tourisme responsable, enfin tous ces concepts-là. Pulse Up, to projekt przedsiębiorstwa, które Thomas przedstawił we wniosku o udział w programie Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Jego celem jest opracowanie metod poszukiwania pomocy finansowej dla małych i średnich firm. Dans mon projet, j'ai ressenti, peut-être parce que je venais de finir l'école, un manque d'expérience. Et le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs permet justement, en lien avec son projet, de développer une compétence forte chez un entrepreneur aguerri déjà dans le même secteur d'activité. POSECO, stowarzyszenie typu non-profit, prowadzi działalność w sektorze przedsiębiorczości społecznej. Wielu młodych Europejczyków przyjeżdża tu pracować. Podczas 5-miesięcznego pobytu w ramach tego programu Thomas mógł opracować samodzielny projekt i pokierować jego realizacją. Cele jego biznesplanu idealnie odpowiadały potrzebom POSECO. Alors, c'est la première fois qu'on fait appel à ce programme Erasmus Young Entrepreneur. Il est clair que pour nous, la première chose, c'est que ça nous permet d'avoir quelqu'un en plus dans l'équipe. Donc, c'est une personne qui peut contribuer concrètement à des activités qu'on a. Donc, il y a un win-win qui était indispensable pour nous pour pouvoir accueillir ce genre de stagiaire. Thierry van den Broek powierzył Thomasowi konkretne zadanie polegające na utworzeniu i koordynacji sieci zrzeszającej ponad 35 przedsiębiorców społecznych. Stażysta musiał nauczyć się pracować, prowadzić zebrania i podejmować decyzje wraz ze swoimi współpracownikami. Ce qui pour moi m'a pris le plus dans mon expérience ici à POSECO, c'était de partir d'un projet embryonnaire, donc le faire éclore et l'amener à maturité jusqu'au salon Entreprendre de cette année. Francuskojęzyczny Thomas wykazał się skutecznością podczas wyjazdu zawodowego do Brukseli. Thierry docenił również jego znajomość języków obcych. Program ten ma na celu wspieranie małych i średnich firm w ich rozwoju na arenie międzynarodowej. Je pense que déjà en fait créer des synergies et des relations entre les pays européens permet à quelqu'un qui est national de commencer à penser en dehors de ses frontières. Et donc c'est une première manière de s'ouvrir au monde. Donc c'est essentiel et c'est un bon argument, un bon alibi, je dirais, en fait de forcer peut-être d'une certaine manière des échanges pour que chaque personne comprenne que le marché est aujourd'hui un marché international. Europa reprezentuje potencjał 500 milionów klientów. Jest to wyjątkowy rynek, na który Thomas może w przyszłości liczyć. Donc le côté international au niveau du business, on pourra mais clairement le ressentir en tout cas dans l'entreprise que je créerai en rentrant en France, sur les relations que j'ai pu tisser ici, les relations avec tous les entrepreneurs du réseau notamment, les relations ici avec POSECO, et clairement ce sera un plus le jour où je déciderai de venir élargir mon travail et mon activité à la Belgique. Misja Thomasa zakończyła się sukcesem. Dzięki wymianie z POSECO wszyscy przedsiębiorcy zrzeszeni przez niego w sieci byli obecni podczas targów Entreprendre. Il est clair que travailler avec un stagiaire professionnel qui vient en plus d'un autre pays, mais ça nous fait penser parfois les choses autrement et ça nous demande aussi d'avoir la capacité en fait, d'avoir confiance en fait, dans ces jeunes entrepreneurs. Ce qu'on a fait par la force des choses et le return, c'est du 300%. Quoi.